Millions of people travel on Paris's metro system every day, and it's about to become the first transport network to go 100% LED in all its stations. In a huge four-year, 11 million euro deal, a quarter of a million lights will be replaced at 302 metro stations and 66 suburban rail stations. The network operator, RATP, is partway through a plan to cut its energy consumption by 15%. Stations like this one play a huge part in that. This will be one of the first to go all LED. All these lights will be replaced by LEDs provided by Philips and local manufacturers Step and Swatec. L'énergie sur notre réseau, c'est 19% de la consommation électrique du réseau de métro parisien. Une part importante, puisqu'un cinquième de l'énergie est consacrée à l'éclairage. On est effectivement les premiers à prendre cette initiative de passer en tout LED. On sait que d'autres réseaux de transport en commun, comme Bruxelles, Londres ou Sydney, s'intéressent beaucoup au sujet et vont certainement nous suivre dans les prochains mois. I already have a lot of questions from our colleagues all around the world when we communicated about that contract, from London, New York, China, Hong Kong and more. Asking us about how they made that deal, how this was set up, and how we could participate together in this great move to LED products. So indeed, that should show the way for others to make the same soon. On utilise principalement des tubes. On a six tailles de tubes, mais on utilise principalement des tubes LED à la place des tubes fluo. On a aussi quelques projecteurs, et on a aussi de l'éclairage classique de rue, comme de la tête de candélabre. So Philips is providing in this big contract with RATP the tubes, the LED tube called Master LED tube, with a special end which is rotating and developed on purpose for that contract. It's relamping, so they are going to change only the tubes, but since they are taking off the old technology in fluorescent tubes, then they will have also to make some electrical reworking of the luminaires by shunting the ballast inside the luminaire, since inside the LED tube you already have the ballast. Le voyageur qui passera dans une station qui a été transformée en LED ne verra pas la différence avec une station classique. On a d'ailleurs à ce titre mené des enquêtes d'opinion sur les voyageurs et 92% des voyageurs ne voyaient pas la différence après le passage de la station en LED. À la suite d'essais, on teste depuis 2009 cette technologie dans divers points de notre réseau, notamment avec une première station qui a été inaugurée en 2009, la station Sancier de Menton sur la ligne 7. La maintenance est effectuée par des agents de la RATP et elle devrait être diminuée par 5 avec la mise en place de la technologie LED sur notre réseau. Alors, on a été très exigeant dans notre cahier des charges. On a monté nous-mêmes notre cahier des charges. Beaucoup de fournisseurs étaient au départ de la course, très peu à l'arrivée. On a eu des fournisseurs qui, évidemment, voulaient nous vendre un produit qui ne correspondait pas à la fiche technique ou un produit qui éclairait en réalité, enfin, à l'écrit plus que le produit quand on l'a mis dans la sphère de mesure. Après avoir passé tout le métro, tout le RER, on s'attaquera au tramway et à tous nos sites bâtiments de bureaux et sites industriels, les ateliers, les entrepôts qui nous permettent d'assurer la maintenance au quotidien.